On est présentement avec Éric Thobon du centre d'entraînement PAC de Mascouche. Éric, vous faites plein de choses chez vous. On va y revenir un peu plus tard au courant de l'entrevue, mais vous faites aussi de l'entraînement virtuel. Comment ça marche? C'est quoi exactement? Exactement. Comment ça fonctionne, l'entraînement virtuel? On travaille avec des casques de réalité virtuelle HTC Vive. Alors, les athlètes s'installent le casque sur la tête, évidemment. Et tout ce qui est connecté sur l'ordinateur avec un tout sans fil en wireless. Et nous, ça nous permet d'offrir des entraînements aux jeunes athlètes. Alors que ce soit, nous, ce qu'on entraîne ici, tout ce qu'on focus, c'est ce qui est le read and react qu'on appelle, fait que la lecture de jeu, la prise de décision. Fait que c'est pas un entraînement pour les lancer, la force de lancer, la précision de lancer. C'est vraiment ce qu'on appelle le hockey sense. On a tout le temps dit que le sens du hockey, ça se développe pas, mais avec une technologie comme ça, ça nous permet de développer le sens du hockey. Parce que là, les gens sont sur une glace synthétique qu'on peut voir derrière toi, justement. Exactement. Les jeunes, les athlètes s'installent avec le patin. Ils patinent allègrement sur une glace synthétique comme qu'on voit dans d'autres installations. Et le casque est avec un système sans fil. Ils peuvent se déplacer à l'aise, aucun câble qui vient déranger. Les bâtons sont des bâtons d'hockey, mais adaptés. On a des capteurs et on a aussi une vibration. Vu qu'on n'a pas de rondelle physique sur la glace, c'est une rondelle virtuelle que l'athlète y voit dans le casque. Alors, il y a un système de vibration dans le bâton qui permet d'avoir un sentiment de maniement de rondelle. Mais les athlètes, quand ils voient eux autres dans le casque, sont capables de jouer avec la rondelle, de la flipper, de la lever. C'est vraiment très impressionnant. Et c'est pour qui exactement? Est-ce que c'est pour toutes les positions? J'imagine que gardien de but, ça doit être bon pour les réflexes, mais pour un défenseur ou un attaquant, est-ce que c'est différent aussi? Oui, exactement. On a deux systèmes d'entraînement. On a deux technologies. On a de la technologie pour les joueurs d'avant, que ce soit défenseur, que ce soit joueur un centre ou un ailier. On a certains exercices qui sont spécifiques à la position. Alors, on a des mises en situation, exemple, un 5 contre 3. Le défenseur va être à la pointe. Je donne un exemple, il y a une mise au jeu qui est prise. Le défenseur reçoit la rondelle, il veut tout de suite faire une prise de décision, voir quelles sont ses options et s'assurer qu'il prenne la bonne décision. Fait que nous, parce qu'en se tournant le visage, il voit avec les lunettes de réalité virtuelle, il voit comme si c'était une vraie glace, c'est ça? Ouais, exactement, c'est une vision 360, on est sur une patinoire, le sentiment d'immersion est instantané. Dès qu'un athlète met le casque sur sa tête, instinctivement se retrouve au Madison Square Garden. Parce que l'aréna, c'est le Madison Square Garden. C'est pas le Centre Bell, non? Non, malheureusement, c'est avec le Madison. C'est assez évident à reconnaître avec le genre de dôme blanc au-dessus. Mais non, c'est pas le Centre Bell. L'athlète voit son nom dans le Jumbotron, il est indiqué. Et les entraînements sont par niveau. Alors, on a du niveau U10 jusqu'à pro. Qu'est-ce qui change? C'est la rapidité d'exécution. Si c'est un exercice d'un joueur d'avant, le gardien est plus gros. Les réflexes sont plus rapides, le gardien aussi. Et les passes sont plus rapides, les passes sont précises ou imprécises. Nous, on peut jouer avec ça aussi selon la complexité de l'exercice. Puis tu disais tantôt que c'est des jeunes qui allaient voir au centre PAC comment ça marchait et qui essayaient cette technique-là. J'imagine que le fait que ça ressemble un peu à un jeu vidéo, c'est tentant aussi et c'est plaisant pour les jeunes. Absolument. Absolument. Nous, on ne le positionne pas comme un jeu. C'est vraiment un entraînement. Une demi-heure d'entraînement au centre PAC avec le système de réalité virtuelle et tu es complètement sûr. C'est vraiment comme un entraînement sur la glace. Je ne dis pas que c'est la même chose, pas du tout. C'est un complément à un entraînement sur glace. Mais il y a l'aspect jeu, l'aspect pondération. On voit les classements. Chaque athlète voit son rendement versus lui-même, fait comment il performe, comment il évolue. Il voit après en lui versus tous les athlètes du même niveau que lui qui s'entraînent au centre PAC. Et tous les athlètes qui s'entraînent avec ce système-là sur la planète, il y a à peu près le système virtuel qu'on utilise, c'est utilisé dans 10 pays plus ou moins. Et il y a à peu près 500 à 1000 athlètes qui l'utilisent, dépendant des niveaux. Alors, chaque athlète est capable de se positionner versus les autres utilisateurs sur la planète. Donc, il y a des pros vraiment, des athlètes professionnels qui utilisent cette technique-là et qui l'ont fait aussi chez vous, je pense. Hein? Oui, absolument. On a eu la chance d'avoir Pascal Dupuis qui est venu essayer nos systèmes. C'est très impressionnant de voir un ancien joueur pro
et voir, on se rend compte que dans tous les sports, on dit tout le temps, c'est de la répétition, c'est de la répétition, de la pratique, la pratique. On l'a vu avec Pascal Dupuis, il a installé le casque, il n'avait jamais utilisé ça de sa vie. Automatiquement, les mains sont libérées, la position de base, je ne sais pas, que les rondelles n'ont jamais passé aussi vite que ça dans le système. Est-ce que ça coûte cher? Combien ça coûte, admettons, qu'on veut y aller? C'est très dispendieux parce que c'est vraiment le top des systèmes de réalité virtuelle. Parce qu'il faut y penser, surtout pour les joueurs d'avant, on capture ce que le joueur reçoit. Fait que le joueur reçoit des passes, mais aussi il faut qu'on prenne en considération les passes que le joueur y fait. Fait qu'on a des capteurs qui font les deux aspects. La prise d'information reçue, mais aussi ce qui est envoyé vers l'ordinateur. Fait que c'est assez complexe. Celui de gardien, je te dirais que c'est un peu plus simple parce que le gardien reçoit des rondelles. Le gardien ne fait pas de passe. Fait que c'est vraiment plus au niveau de la réception de l'information. Mais celui du joueur d'avant, c'est un peu plus complexe, effectivement. Et si, admettons, moi, je veux aller l'essayer ou un de mes amis veut l'essayer, est-ce que c'est dispendieux pour essayer cette technique-là? Je vous dirais, au niveau de l'essai, non. Si on calcule les coûts que les joueurs présentement ils payent pour louer des glaces dans ce temps de pandémie-ci, non, on n'est vraiment pas dispendieux. Je vous dirais que c'est plus ou moins 1$ la minute. En grosso modo, c'est dépendant des forfaits qui sont pris. C'est plus ou moins 1$ la minute, c'est des séances de 30 minutes. Plus que 30 minutes, on est complètement épuisé. Là. Là, au Centre PAC, vous avez ça, mais vous faites plein d'autres choses aussi. Oui, exactement. Le Centre PAC, c'est un centre de développement athlétique vraiment axé sur le développement cognitif. Alors oui, on parle des entraînements virtuels avec notre technologie qu'on a ici, mais on fait aussi de la préparation mentale. On a un coach en programmation neurolinguistique qui travaille avec les athlètes pour les aider à mieux définir leurs buts, l'atteinte d'objectifs, est-ce que leurs buts sont réalistes, est-ce qu'ils sont atteignables. On a aussi une équipe au niveau de la nutrition, au niveau de la suivi de ces jeunes-là. Fait que nous, comment on se positionne, c'est qu'on est un centre de développement athlétique pour tout ce qui ne se passe pas sur de la glace. Et on a aussi un centre d'entraînement. Là, on est situé dans mon gym fitness à Mascouche, qui est un centre d'entraînement fonctionnel. Fait qu'on a toutes les installations pour faire de l'entraînement hors glace aussi. Bien, merci beaucoup, Éric. Très gentil de nous donner toutes ces informations-là. Et dès que la pandémie s'est terminée, dès qu'on peut sortir de chez nous, je te garantis qu'on va aller essayer ça, cette chose-là. Ça m'intrigue, moi. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.